Bonjour, good day. I want to touch on two issues today. We've been saying this for, for some time, but it's been, it's been a difficult time for a lot of Canadians. And we're particularly seeing a lot of concerns coming out of uh, healthcare workers, from healthcare workers out of our hospitals. And in particular for children. We're hearing more and more stories about children going into hospitals, not being able to get the care they need, waiting for hours and hours, children who can't breathe. And we're hearing really, really deeply concerning concerns raised by, by physicians saying that if the, continue, the current situation continues, the lack of resources, a lack of staffing levels uh, adequate to help our, our kids out, to support our kids, if that continues, physicians have raised a concern that children might end up dying in waiting rooms. This is serious. Given how serious it is, it is appalling to me that we don't have any action at the federal level. During the pandemic, the federal government took steps to provide relief and support when needed. And right now, with this crisis going on in our healthcare system and the impact on children, the Prime Minister is not stepping up with the urgency required, not meeting with the premiers to solve this problem, not committing to a strategy or plan to immediately provide help and relief for hospitals and hospital staff and and healthcare workers who are saying, We need help now. This is urgent. And our kids might end up dying in waiting rooms if we don't act. This is very, very serious, and we want to see some action from the federal government. When I'm prime minister, anytime we see a crisis like this, there should be immediate action. I would immediately act to convene a meeting with the, with the premiers, look for solutions, put forward all federal resources possible to hire staffing to provide immediate relief so that we can actually make sure our kids are getting cared for. And this is not a time to wait. This is not a time to let. Finger pointing in terms of who to blame, this is a time to solve the problem. That's what I would do as Prime Minister. The second concern I want to raise is that the cost of living continues to be a real serious concern for Canadians. They're having a hard time buying groceries, they're still having a hard time finding a place they can afford. The cost of living continues to squeeze budgets. And on top of that, we've just learned that it's gonna be more expensive for families to send packages or to send to deliver to their loved ones over the holiday season canada post has announced uh, or has, has uh, made it clear that the costs have gone up by 39.5% with a surcharge on, on deliveries. Now, this is another decision that i, I want to ask, ask the prime minister and ask the, the government, did the minister approve this? when did they approve this? did the minister uh, consider what the impact was going to be on families, on small businesses who've already been hard hit by the pandemic, that this additional cost to, to send packages would have an impact on them as well? And, and so serious questions are raised about whether the government uh, whether the liberal government and the prime minister looked at the impact that this increased sur surcharge would have on canadians and and considered ways to to mitigate that so that's also a major concern it's also concerning that the surcharge is 39.5% when the increase and it's called a fuel surcharge when the cost of fuel has gone up by about 9 or 10 percent that uh, it is excessive for the surcharge to be so high. These are, these are concerns that we're also raising as the holiday season approaches. Donc, euh, je veux souligner deux enjeux aujourd'hui. C'est un temps difficile pour, euh, pour les familles, pour les Canadiens, en particulier avec nos soins de santé. En général, on, on a entendu histoires des histoires des travailleurs de santé qui, qui partagent comment c'est difficile, comment c'est un système dans une situation de crise. Mais en particulier pour nos enfants, on a entendu des histoires des enfants qui attendent euh, trop longtemps pour avoir des services et les médecins ont, ont avisé. Si la condition dans les hôpitaux continue, particulièrement pour les enfants, on a une menace, une vraie risque que les enfants peuvent mourir en attendant pour les services. Donc, c'est une, si une situation vraiment sérieuse et le premier ministre n'agit pas. Quand je serai premier ministre... Je vais rencontrer tout de suite euh, les, les premiers ministres dans un cas comme ça, dans une crise comme ça, utiliser tous les ressources fédéraux pour régler le problème, trouver des solutions, parce que c'est une crise urgente et on doit agir. Deuxièmement, je vais parler de la coup de la Vie qui continue de frapper fort. C'est un grand défi pour les familles. C'est de plus en plus difficile à rejoindre les deux bouts. Et en plus, maintenant, avec l'annonce de Post-Canada, une augmentation de frais de 39,5 pour envoyer des, des paquets. Ça va frapper fort encore sur les familles, particulièrement pendant ces saisons, ces saisons d'hiver et ces saisons de fêtes. Et euh, ça va aussi frapper fort sur les entreprises, les petites entreprises. Donc, euh, je veux savoir si la ministre responsable a, a approuvé cette décision. Quand elle a approuvé cette décision? Et est-ce qu'elle a est -ce qu Uh, ou est-ce que le gouvernement a analysé, c'est quoi les impacts sur les petites entreprises, sur uh, les familles de cette augmentation. Et finalement, l'augmentation uh, est 39,5% et la raison était une, 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 une augmentation à cause des de frais de l'essence, mais le coût de l'essence a augmenté presque 9%. Donc, uh, c'est une augmentation excessive, cette uh, 39,5%. Une autre inquiétude que j'ai voulu souligner, souligner aujourd'hui. Merci. Uh, with that, I'm ready for any questions you might have. Oh, on commencerait des questions dans la salle. Bonjour, Antoine Trépanier du journal Le Droit. Uh, je voudrais vous parler de la situation à l'Université d'Ottawa qui a eu lieu hier avec l'ambassadeur de Chine, où les médias, les caméras ont été. On leur a demandé de quitter la salle parce que l'ambassadeur ne voulait pas avoir les caméramans sur place. Um, Comment vous réagissez à ça et de cette demande de la Chine, mais aussi du fait que l'Université d'Ottawa ait accepté cette demande? -là. En général, notre position, c'est qu'on doit avoir la transparence. On veut appuyer les droits d'une une, liberté des de médias, des de journalistes. C'est un droit fondamental et axé est fondamental pour, pour avoir une société démocratique. C'est essentiel d'avoir accès pour, euh, pour le média, pour les journalistes. C'est quelque chose que j'appuie. Donc, je ne sais pas les détails et, euh, euh, de cette décision euh, prise par euh, cette décision que, que l'université a prise. Euh, mais je peux dire euh, généralement que mes valeurs comme, comme Premier ministre euh, vont continuer d'être l'importance de transparence et particulièrement une ouverture pour euh, le média et les journalistes vous que la position du gouvernement fédéral à l'endroit de la Chine euh, exacerbe et augmente le nombre d'événements isolés comme ceux-là qui peuvent avoir lieu au Canada, où la Chine finalement décide d'agir un peu de la manière qu'elle le souhaite en sol canadien? On, on a, on, on a sunilé cette inquiétude en et plusieurs personnes ont sunilé l'inquiétude qu'on euh, doit réagir à la réalité d'un pays euh, comme Chine avec des, des, des positions, des actions qui, qui ne ressemblent pas à nos valeurs et euh, comment on doit euh, protéger les intérêts canadiens et comment on doit protéger les droits des Canadiens. Et euh, c'est quelque chose qui est, qui est sérieux et, et on doit prendre au sérieux cette, cette question. Donc c'est pourquoi on a, on a toujours dit qu'on doit avoir une, une, une stratégie plus forte donc euh, on, on on a accueilli la décision du gouvernement fédéral d'avoir un plan euh, pour répondre à cette menace en général et euh, c'est mais maintenant euh, le travail c'est de s'assurer que on, on voit une mettre en œuvre de cette stratégie au lieu de seulement des, des bons mots euh, mais vous avez euh, soulevé une question euh, qui était posée par plusieurs personnes la, L'approche de of Chine au Canada, sur le sol du Canada, mais en général sur le monde, euh, monde c'est une approche euh, qu'on doit avoir une bonne réponse. Et on va, euh, va s'assurer que le gouvernement fédéral euh, mette en œuvre cette stratégie qu'ils ont proposée. Hi Mr. Singh, Mackenzie Gray with Global. Hey. RBC, HSBC, it looks like they're coming together at least in the Canadian operations. Do you think the federal government should approve that deal? <clears throat> and this question raises uh, a general question that we've been, we've been um, grappling with ourselves that our competition bureau and our approach to mergers like this has been uh, has been insufficient in the sense that there hasn't been enough attention on what is the impact to Canadians what is the impact in terms of um, the, the options available for Canadians. And uh, one of the major concerns that we've raised recently is, is the Roger Shaw merger, which we're firmly opposed to. And uh, what has come forward now is that we want to look at ways to strengthen the, the powers of the Competition Bureau, looking at some of the examples in the States that have a, 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 more, uh, a stronger lens through which they view any type of merger, not just uh, about accessibility or price, but they also look at just the availability of options. And that is something that is a, a concern. So I think we need to apply a stronger lens to any sort of merger. Is this going to hurt Canadians? Is this going to hurt competition? Is this going to lessen opportunities for, for diverse choices for Canadians? And those are some of the lenses that I think we need to strengthen when it comes to the approach when we approve these decisions. In this particular case, our team's going to take a, a close look at it and uh, evaluate it. But generally speaking, we want to make sure that. We're seeing stronger protection for consumers and for Canadians, and we haven't seen that so far with recent decisions around mergers. Brenda Lucky has said the RCMP is looking into Chinese interference in Canada overarchingly. How concerned are you about Chinese influence, whether it be in elections, police stations, all kinds of other things that have been happening recently? What's your <coughs> level of concern about that? Well, this is, we should take very seriously. Uh, any, any interference in our democracy in Canada, particularly when it speaks to, uh, our elections, the fundamental exercise of democracy, should be taken very seriously. we, we don't want to see any interference in canadians' ability to make decisions about their future, about what they want to see happen, their priorities for the country, and who they want to elect. that should not be influenced by, by any foreign actors, and there's really, there's no, uh, there's no ground for compromise on that, and that should be something that we take uh, at the federal level. Uh, all precautions necessary. To make sure that it is not happening, so this is something that we think should be focused on, and uh, Canadians should have full confidence that there is nothing going on that impedes the decision of a Canadian to vote the way they want to or make decisions they want the way they want to. Hey, bonjour, uh, Pascal Vachon for TF1. Just revenir un instant sur l'université Ottawa. Uh, oui. Est-ce que vous trouvez acceptable qu'une université canadienne donne une certaine plateforme à un haut dirigeant chinois, à l'ambassadeur chinois? Est-ce que vous trouvez acceptable ça? L'idée d'avoir de, des, des ambassades au niveau université, de parler avec les gens, c'est normal dans mon avis. C'est une, euh, une opportunité pour les étudiants de savoir plus des autres pays. Donc, cette décision en général, ce n'est pas un problème. Mais euh, ce qui a été soulevé, c'est le, le manque d'accès pour les journalistes ou. Euh, euh, le manque d'accès pour euh, le média en général. Ça, c'est quelque chose qui, qui m'inquiète parce que je veux avoir une société ouverte où on a euh, accès pour les médias et les journalistes. Donc, ça, c'est une question pour moi euh, importante. Et euh, l'idée en général d'avoir accès aux ambassades, aux universités pour les étudiants, je, je trouve euh, ça, c'est quelque chose de normal. Je veux vous amener sur un autre sujet. Il y a une vidéo qui circule en ligne de, de M. Poiliev là, qui, qui circule beaucoup là, sur, euh, pour mettre fin à la crise des opioïdes au Canada. M. Poiliev suggère de, que s'il serait élu euh, premier ministre, il mettrait fin aux subventions fédérales pour les, les sites d'injection supervisés. Il dit aussi que le gouvernement devrait arrêter de faire circuler le, le poison, il dit, en parlant des, des drogues du fentanyl. Je voulais savoir qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo-là. Est-ce que vous trouvez que c'est une bonne approche que M. Poiliev suggère? C'est ridicule. Et en fait, euh, les, les experts. On dit que c'est une approche ridicule. Euh, même les, les, les conservateurs, les, les gens qui avisent euh, l'ancienne Premier ministre Harper, ont on aussi dit que c'est une approche euh, sans aucune euh, 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 preuve scientifique. Je comprends en général que les gens sont, sont vraiment euh, fatigués avec euh, la perte des vies. Euh, on a une crise d'opioïdes qui frappe fort. Les familles ont perdu des, des proches. Et les communautés euh, sont moins sécuritaires. Donc, euh, il y a des vraies inquiétudes. Et je comprends ça. Dans les grandes villes, c'est une inquiétude. Et on doit régler ça. Et je pense aussi que le gouvernement fédéral a manqué. Euh, il manque le leadership de, de trouver des solutions, de vraiment aider les, les, les familles et les gens qui font face à des dépendances. Mais l'approche de, de Polyev est ridicule. Euh, on doit soigner les gens, on doit s'assurer qu'il y a des, des appuis qui existent pour sauver les vies. Et ce qu'il propose, c'est de couper tous les appuis, couper l'aide aux gens, couper l'aide aux gens qui sont dans une, un moment de leur vie. Euh, un des plus précaires. Ce qu'il propose euh, va résulter dans plus de morts. Donc euh, c'est une approche euh, euh, horrible euh, que Pierre Poliev suggère. Mais ce n'est pas surprenant parce que tout le temps son seule réponse c'est de couper, couper euh, lassurance emploi couper les pensions, couper l'aide pour les gens qui font face à cette dépendance. Ça c'est son solution. Euh, sa solution c'est de couper. and it's not a solution to solve the problems that exist in society. we have to find solutions, not we'll take another question in the room before going on the line. sure. Uh, apologies if you've been asked this already, but alberta is expected to table their sovereignty act today. i'm just wondering if you can give your reaction to that. certainly. We, we've seen uh, some really troubling uh, commentary around, around this act in the past, so that certainly raised concerns. But what I really want to say directly to, to Premier Smith, in Alberta, healthcare is crumbling. We've heard from nurses, from frontline healthcare workers, from doctors about the crisis in healthcare, about kids not getting care, and how serious things are across the country, but how serious they are directly in Alberta. And for the Premier to think that tabling a bill on a Sovereignty Act, is in any way something that a Canadian, that an Albertan family is worried about right now, when their kids are struggling to breathe in hospitals? To me, shows completely out of touch with what Canadians are really dealing with, with what Can Albertans are really faced with right now, and uh, it's deeply concerning for for me that Albertans have a premier who doesn't understand the real risks that Canadians and Albertans are faced with, uh, and so that that to me is really a question. Like how could how could this be a priority? When, when there's so many other challenges going on—the cost of living going up, the healthcare crisis—those are the things that Albertans want help with. Uh, not tabling this this act. Et on va aller en ligne maintenant, Olivier Ferrand Boisier. Pouvez can aller. Oui, bonjour. Bonjour. C'est fort ça. Oui. Un instant. <laughs> okay. Monsieur Singh, euh, j'aimerais juste clarifier quelque chose concernant les urgences pédiatriques. Oui. Euh, vous disiez, euh, si j'étais premier ministre, j'encontrais les premiers ministres des provinces et je m'arrangerais pour déployer des ressources du fédéral. Euh, juste pour être clair, est-ce que vous demandez au gouvernement fédéral de déployer des ressources présentement pour aider les provinces à gérer la crise? Oui, bien sûr, il faut. Euh, ma, ma critique, c'est que le gouvernement fédéral et le premier ministre n'agissent pas pour régler cette crise. Et. Quand je serai premier ministre dans une crise comme ça, je, je réponds tout de suite parce que ce que j'ai entendu des, des travailleurs de santé, des médecins, des, des infirmières, c'est vraiment urgente. C'est une crise vraiment sérieuse et le gouvernement fédéral ne fait rien, effectivement. Il dit qu'on a déjà dépensé l'argent aux provinces, mais ce n'est pas suffisant. Dans la pandémie, le gouvernement fédéral a agi quand c'était nécessaire. C'est nécessaire maintenant. Donc, on exige le gouvernement de, de répondre tout de suite, immédiatement à, à cette crise. D'accord. Euh, et juste euh, ensuite, j'aimerais revenir sur la <coughs> question des collègues sur l'Université d'Ottawa. Simplement, demander si vous ne croyez pas que euh, quand l'université euh, opte en paire aux demandes de, de, de la Chine euh, de ne pas permettre aux caméras d'enregistrer de, un discours, est-ce qu'elle ne contribue pas, l'université, à une certaine censure de la Chine? Euh, Est-ce que vous pouvez répéter la question encore? Oui. Euh, donc, quand l'université accepte de supplier aux demandes euh, de ne pas euh, accepter de caméra ou de photographe pour euh, un discours, pour capter le discours euh, de, de l'ambassadeur, ne croyez-vous pas que l'université, en faisant ça, contribue et collabore à une certaine censure de la part de la Chine? Oh oui. Euh, donc, euh, je comprends votre question. Donc, euh, ça, c'est l'inquiétude la, la, que j'ai soulevée. Euh, la, la présence d'ambassades à l'université, c'est quelque chose, je pense que c'est normal. C'est bon d'avoir une occasion, une opportunité pour les étudiants d'écouter de, de les, 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 euh, les représentants internationaux. Donc, ça donne une occasion, une opportunité positive pour, euh, pour plus de connaissances pour les, les, les étudiants. Mais mon inquiétude, c'est cette question de, de manque de... de d'accès pour les médias. Donc ça, c'est quelque chose euh, qui euh, euh, soulève des inquiétudes pour moi. Comme j'ai dit, je, je n'ai pas les détails de ce qui s'est passé, euh, pourquoi c'est passé comme ça. Donc euh, tout ça, c'est les détails que je, je n'ai pas. Mais en général, je, je suis... Euh, je suis inquiétant qu'il y ait une manque d'accès pour le média parce que dans une démocratie, dans une société comme le nôtre, la transparence est vraiment importante. Donc ça, ça c'est une inquiétude que j'ai soulevée. Une autre question dans la salle Juste une dernière question par rapport à votre euh, collègue Matthew Green hier qui a dit sur Twitter qu'il en avait assez d'être discriminé de porter un masque en chambre euh, par certains collègues conservateurs euh, et qui va commencer à à name dropper finalement les, ou, ou dire ce que les, les conservateurs lui disent en chambre. Qu'est-ce que vous pensez de cette démarche là Puis qu'est-ce que est-ce que vous appuyez votre député dans, dans ces, cette démarche là Je pense que euh, l'idée de porter un masque ne doit pas être une décision critiquée euh, par euh, n'importe qui, particulièrement euh, pas des, des députés. Donc, euh, si une députée prend la décision de porter un masque, euh, les, les conservateurs ou n'importe quel député ne doivent pas critiquer cette décision. C'est le droit de chacun de, de faire cette décision s'ils veulent. Et euh, le fait qu'il va, il va partager ce que les, les conservateurs disent dans la Chambre euh, quand ils lancent des, des, des commentaires, euh, euh, peut-être que ça va, ça va montrer euh, les, les propos négatifs qu'ils partagent parce que euh, il y a un climat que je pense qu'on doit régler dans la chambre. Euh, je pense qu'un débat, c'est important, des opinions différentes, c'est important. Mais quand quelqu'un parle et, et les autres jettent des commentaires pendant un discours, je ne le trouve euh, pas, euh, pas quelque chose qui aide au discours, pas quelque chose qui aide dans le débat pour, euh, pour avoir une meilleure connaissance des, des positions différentes. Donc, je, personnellement, ne. Ne, ne préfère pas cette approche de, de jeter des commentaires dans une discussion. Et ça, là, qu'on n'a plus de questions. Merci beaucoup. Okay, merci. merci.